compagnie de Narlebeuk a tellement de talent. La compagnie de Narlebeuk a tellement de talent qu'on ne saurait vous en parler. Alors voilà, c'est terminé. Voici l'histoire du tavernier arnaqué par un nain, d'un commerçant qui fut roulé par une ruse naine. Passa 2 heures à marchander sans arriver à rien, quand l'elfe devant le comptoir entra ses seins. Perdu dans la contemplation des obus de la belle, le tavernier en oublia l'objet de son affaire. Les yeux rivés sur les tétons, leva les bras au ciel et offrit ainsi au barbu de chope de pierre. Cette chronique se déroule dans un temps où le temps lui-même n'existait pas, ni les chroniques d'ailleurs. C'était un temps où la vie n'avait que peu de valeur, où le sang coulait par barriques entières. Un temps où les modems n'atteignaient même pas 28 kilobits par minute. Un temps... Eh, tu vas la faire ta chronique, oui ? Bon, en ce temps très ancien, que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître, la haine entre les peuples avait atteint son paroxysme. Venus des 5 coins des terres de Fang, d'immenses et redoutables armées convergèrent vers la plaine de Zugl-Amaglislong. Venus des terres gelées, chevauchant des dragons des glaces, les barbares et les amazones faisaient tourner leurs armes au-dessus de leurs têtes. Arrivés du cœur des montagnes, à gauche à côté du volcan vomissant le soufre, sur des chariots chargés de barils de bière, les nains ivres rôtaient leur envie d'en découdre. Montés sur des licornes rehaussées d'or et d'argent, la confrérie des maîtres sorciers et confiseurs venait protester contre la hausse des prix du sucre. Tout juste sorti des portes de l'enfer, la guilde des nécromanciens tentait une fois de plus d'asservir le monde, aidée par des hordes de démons et des orques des pâturages montés sur de redoutables brebifants. Enfin, des elfes qui passaient par là n'eurent d'autre choix que de lutter pour rester vivants, parce que personne ne les aime, ces sales prétentieux. Replongeons-nous ensemble dans les meilleurs moments de ce qui restera dans les mémoires comme la bataille la plus sanglante qu'aient connue les peuples libres, les servants des forces du mal. Maybe I like him, maybe he likes me, but I don't know if he'll ever notice. They never talk, but it's who is nervous. Yeah, I know, boys are so... Mais aussi les campeurs qui étaient venus cueillir des champignons par ce bel après-midi ensoleillé. Les plus affectueux, cherchez que monter les arbres.